Voilà, j'ai essayé de donner à manger à la perdrix, mais je me fais attaquer sans arrêt. Et elle veut absolument pas de graines, elle essaye juste de m'attaquer. En permanence. J'arrive vraiment pas à comprendre sa réaction. Voilà, je lui ai donné des graines de tournesol. Elle devrait se régaler, mais non, elle s'en fiche complètement. Elle veut juste s'acharner sur moi, c'est tout. Regarde, il y a des graines là. Pourquoi tu t'acharnes sur moi? Tu vas t'assommer avec mon téléphone. C'est incroyable. J'arrive pas du tout à comprendre ce comportement. C'est plus fort que moi. Dès que je bouge, c'est une... Faut qu'elle me rentre dedans. C'est... Ouais. Très dur à comprendre. Elle n'a pas faim, elle n'a pas soif, elle cherche juste à m'attaquer. Voilà. Voilà, c'est... Je peux même pas être tranquille dans mon jardin. Alors qu'à la base, elle est chez le voisin, elle est même pas ici. Qu'est-ce que je te fais? Je t'embête pas là. Je t'embête pas. Merde, c'est... Je veux pas t'embêter, j'aimerais bien t'attraper là. Voir comme tu réagirais. Mais je sais pas. J'arrive à t'attraper si tu veux. Donc cherche pas. Je suis pas méchant. Je suis pas méchant. Regarde. Je suis pas méchant, moi. T'inquiète pas. Toi qui m'embêtes. Voilà. Donc, je ne comprendrai toujours pas ce comportement. Personnellement, ça me reste, je reste sans voix. Même une graine s'en fiche complètement de manger des graines. Des bonnes graines de tournesol. Il faut à tout prix qu'elle m'attaque. Voilà. C'est pas toi qui vas me faire peur. Hein. J'aime bien les animaux pourtant. Mais j'aime pas être agressé comme ça sans arrêt. Je suis dans mon jardin, là, Madame la perdrix. Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant. Mais oui, t'es gentille. Pourquoi tu m'attaques? J'ai envie d'être gentil avec toi, mais tu n'arrives pas à comprendre que je suis quelqu'un de gentil.